Blis Metamo, d'une fille du village Tsingbo-Pabafo, arrondissement de Koné, département de la Noire, dans la région de l'Est Aïrone, devenue première jour au maire de la ville de Alo en France, dans la joie au peuple Tsingbo et à la municipalité de Konzen. Voici quelques lignes, les impressions à chaud des populations et du maire de la commune de Konzen, monsieur de Modavé. Oui, c'est avec beaucoup d'allégresse que les populations de Nkonzem ont appris l'élection de notre fils Blaise Metamo comme premier adjoint au maire d'Alouine. Et Alouine, c'est beaucoup de souvenirs pour nous. Et nous espérons que l'heure est venue de ressusciter cette relation vraiment qui a été fructueuse par le passé. On lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Ok, merci monsieur Romain. Merci. Et surtout que bonne chance. Et bonne chance. C'est pour Jérémy et sa suite, quoi. Les volontaires de Tokem. Je suis tellement heureuse vraiment de vous avoir parmi nous à ce moment. Si nous sommes là actuellement rassemblés ici, c'est juste pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Blaise pour le travail abattu à Alouin pour devenir premier adjoint au maire d'Alouin. Monsieur Metamo Blaise, qui a été élu premier adjoint à la tête de la mairie d'Alouin, mon petit frère, tout ce que je peux vous dire et à la jeunesse, que c'est un travail merveilleux abattu. C'est le travail abattu depuis sa jeunesse. Il a fait la FASA à Cham, étudiant. Il a continué en Europe. Et jusqu'aujourd'hui, le résultat est là. Et je pense que même la mairie de Cham peut le témoigner. Même la mairie de Cham peut le témoigner, parce qu'il a beaucoup œuvré pour le développement à Cham, pour les déchets. Il y a plein de choses qu'il a pu mettre sur pied dans le département de la mairie, suivant les pas de notre papa, docteur Pierre-Marie Metamo, de notre feu papa, Metamo Daniel, chef légitime du village Ntimbo. Et je tiens à dire aux populations que notre papa, docteur Pierre-Marie Metamo, notre papa Metamo Daniel, a toujours prôné pour la paix Ntimbo. Il a toujours prôné pour l'union Ntimbo. Il a toujours prôné pour la justice Ntimbo. Et c'est ce que nous suivons, c'est ce que nous respectons. Et nous prions toute personne qui aime ce village comme nous de venir avec cette paix, de rassembler pour cette paix, de chercher l'union pour cette paix et non la destruction. Ce n'est pas, un fait de hasard, ça ne surprend pas, ce n'est pas un truc ramassé. C'est le mérite, c'est le mérite. Ceux qui bossent doivent mériter. Les meilleurs sont toujours les premiers. On dit en anglais, the best are always the first. Et le meilleur, c'est quelqu'un qui est un garçon, qui a un grand cœur, il se bat pour les autres, il oublie même de se prendre en charge pour se battre et prendre en charge ceux qui sont comme lui. Et son grand objectif, que ce soit ici au village, au Cameroun, partout où il a été, c'est toujours de promouvoir, se battre pour le bien-être des populations. On a souvent dit qu'on ne peut pas, charité bien ordonnée commence aussi par soi-même. Pendant qu'il va officier auprès du maire d'Alouin, je pense qu'il va lui apporter de l'énergie nécessaire, l'expertise et tout, c'est quelqu'un de l'environnement, il connaît l'environnement. Pendant qu'il se bat là-bas pour que ces populations se portent bien, mon souhait est que son Cameroun
ça a donné notre patrie pour lui, se porte bien, son département, son sa région, son département et son village. Vraiment, c'est une immense fierté pour nous de voir ce fils être à cette place. C'est le mérite, et il mérite même mieux que ça. Et je ne peux que prier le Seigneur de l'aider et puis de lui donner des forces, d'expérience et l'inspiration pour qu'il ne mène qu'à bien sa mandature et que tout se passe bien à son endroit et que vive notre pays et que vive ce fils pour que sa communauté se sente à l'aise et fière de lui et que nous nous sentions aussi fiers de lui ici en Tsingbo. Moi, c'est Kenfa Raymond Prosper. Je suis le secrétaire général du clan Sagam Menzon, Tsembe, Tokem, dont le Tango Blaise est d'ailleurs notre capitaine. Mm-hmm. Et comme je vous ai dit, je suis le secrétaire général de ce clan-là. Mm-hmm. Donc nous nous efforçons tant bien que mal pour que vraiment cela se passe très bien. Bon, en ce qui concerne son élection, franchement, le mot me manque. C'est une très grande joie. C'est une fierté pour tout le village, pour tout le département, pour toute la région de l'Ouest. Et au-delà même, sur le plan national, ils sont très peu qui ont pu atteindre ce niveau-là. Sincèrement, je suis très content et je lui dis merci pour ce qu'il a fait et je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Je sais qu'il est un battant, qu'il va s'en sortir. Il ne décevra pas les Français, bon, donc il nous présente. Et encore moins nous autres, qui sommes ses frères, et qui nous sentons aujourd'hui très heureux de le voir à ce niveau-là. Vraiment, monsieur Manfort Metamou Blesse, monsieur la toujours au maire de la ville de Laine, bon, excusez-moi si j'écorche le nom. Allô. Je vous souhaite une bonne continuation. Bon vent dans vos nouvelles fonctions, comme j'ai dit tantôt. Le Tango Blaise, vous êtes un modèle à suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, qu'est-ce que vous attendez de lui dans le département de la mémoire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il apporte en tant que premier adjoint dans le département de la mémoire? Pour qu'il continue. Parce que, bon, avant d'être là où il est aujourd'hui, il a toujours aidé le département. Quand je regarde la mairie de Cham, je sais quand il arrive, c'est un grand. Il a beaucoup fait pour la mairie. Les déchets sont aujourd'hui dégagés, transformés. La ville de Cham est propre grâce au partenariat la mairie de la commune de Cham et Nantes, je pense. Mais lui, il est un acteur majeur. Et je voudrais seulement qu'il continue ainsi. Parce que vraiment, moi, je ne saurais lui demander plus grand que cela. Sinon, qu'il aille toujours dans le chemin qu'il a commencé pour que la ville, le village, bref, si la région de l'Ouest pourrait en bénéficier, qu'il le fasse. Franchement, c'est de ça qu'il est question. Lui-même, il est mieux placé pour savoir ce qu'il doit apporter. Mais je sais déjà qu'en ce qui concerne la propriété dans le département, il le fait déjà. Bon, il peut encore, bon, nous avons d'autres problèmes. C'est avec le temps que nous aurons. Les populations de la ville du Kanzen et du département de la mémoire en général souhaitent bon vent au premier adjoint de la commune de Anouen.